tous, c'est Manaf, vous êtes sur Summoners.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Summon. On est là aujourd'hui, hop, sur le bon chan, voilà, sur le compte de Mainit. Ça va être une Summon un peu particulière, je vais en faire deux d'affilée, une pour Mainit et ensuite une pour son homme. C'est une Summon de couple aujourd'hui. Alors évidemment, je commence par les dames, parce que les dames d'abord, et puis voilà, hein, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voyons voir. Mainit, on va déjà jeter un petit coup d'œil à ton compte. C'est très joliment décoré, en tout cas. Voilà, c'est sympathique. Qu'est-ce que tu nous as caché dans ta box? On a un petit Théomars qui est très mignon. Il a bien des points de vie, et vous savez que c'est pas évident avec un Théomars. Il manque un peu d'attaque, par contre. Mais au niveau vitesse, taux de critique, dégâts des critiques, c'est plutôt pas mal. Il est en Swift. Vitesse, dégâts des critiques, attaque... Ok, la même chose en violent, il sera parfait. Un petit Meo Wang, ça aussi un monstre très sympa pour le raid. Point de vie, dégâts critiques, attaque. En hybride, c'est un peu comme ça qu'on l'attend, effectivement. C'est bien. Un Lushen, un slow Lushen, ok. En fatal, c'est correct. Un Belladéon, rapide, précis, avec des points de vie, c'est comme ça qu'on l'aime. Il est en Swift, par contre. Effectivement, hein, tu m'as dit que tu bossais sur ta team GB10. Normal que t'es pas encore violent. Mais c'est très bien, c'est pas grave. Un bon violent, c'est mieux qu'un mauvais... Un bon Swift, c'est mieux qu'un mauvais violent. Vitesse, point de vie, ok, c'est du classique. Pas très rapide. Et finalement, il manque quand même encore un peu de points de vie. Hein. Écoute, comme ça, au premier coup d'œil, ta team, ta première team DB10... Tu m'avais parlé de Verobella, Fedora, tu m'avais dit qui? Verobella, Fedora, et Lisa. Écoute, pourquoi pas? Moi, j'ai testé Lisa, j'ai été un peu déçu, mais pourquoi pas, hein, honnêtement. Bah, j'ai été déçu parce que ça me permettait pas d'aller plus vite, en fait. Mais au début, tu t'en fiches de la vitesse, ce qui compte, c'est que ça passe. Donc pourquoi pas, effectivement, Verobella, Fedora, Lisa et un Nuker. Attention, hein, tu peux prendre ton Sigma tout à fait. Hein. Le leader skill, en plus, il est très très bon. Faudra juste faire attention à ses points de vie. Voilà, tu vois, là, t'es à 15k. T'es peut-être un petit peu juste. C'est difficile de lui mettre... Voilà, t'es à 8k. C'est difficile de lui mettre les 18-20k qu'il lui faudrait. Hein, donc parfois... Voilà, c'est compliqué, il faudra un Nuker, mais dans ce cas-là, un Nuker plutôt basé sur les points de vie. Ok. Pourquoi pas un Spectra, hein? Eh, pense-y. Spectra, c'est très bien quand même. Hein. Slow, hein, réduction d'ATB et de très très gros dégâts sur son skill 2. Hein. Donc, allez, on continue. On a une Stella, elle sera très bonne. Très très bonne en dragon, mais c'est plus late game, ça sera quand tu seras à faire des speed teams, donc... C'est pour plus tard. Je te conseillerais même de la garder un peu de côté pour plus tard. Une Soa, qui peut faire un très bon farmer en Faemon. Une Emma. Ok. Là, après, on tombe sur voilà, des runages plus bas niveau. Vitesse, def, point de vie. Ça, c'est correct, par contre. Mais effectivement... Ok. Point de vie, précision. Talisa étant violent. Point de vie, def. Ok. Évidemment, hein, t'as encore du boulot sur le farmage et sur les runes, mais ouais, ça va être encore peut-être un petit peu court. Hein. Très honnêtement, autant le géant, ça peut se faire avec 3-6 étoiles. Voilà, 3-6 étoiles, je pense que ça suffit pour le GB10, une première team GB10. Vero, Bella et l'un des trois autres, voilà. Ça peut passer, c'est limite, hein, mais ça peut passer. Après, si t'as tout le monde en 6 étoiles, ça passe crème, y a pas de problème. Le dragon, y a pas, voilà, y a pas à tortiller, y a pas à discuter, il faut trop de points de vie, c'est tout le monde en 6 étoiles. Là, t'as que 5-6 étoiles, c'est encore un peu court. Voilà, continue de monter tes mobs, continue de farmer le dragon, le géant, continue à bien les runer en Swift comme tu l'as fait, ok. Et pour le dragon, bah tu verras, Verobella, Lisa, Fedora, Spectra, pourquoi pas. Mais, ouais, attaque, dégâts de critique, attaque, ok, Chloé en Swift, ok.
Ouais, sinon les stats sont bonnes, hein. Les stats sont bonnes, mais effectivement, il faut continuer à travailler les runes. C'est ça, hein. Donc habitue-toi tout de suite. Le farmage de runes, c'est le cœur du jeu, hein. Tu vas en faire plus que de raison. Un petit June qui se runera et qui se jouera le jour où tu auras un break def AOE. Un petit Xionfei, joli. T'as déjà fait la fusion, ça te fait 3 monstres fusion déjà, il manque plus que Kata. Ok, un petit Bernard qui est comment? Bon, voilà, pas très rapide. Voilà, t'as des monstres avec des runages bas niveau, mais très bien. Ah, il manque un peu de points de vie, dommage ton Orochi. Ce que tu peux faire, c'est un triple 7. Énergie, lame, focus, ça lui permettra d'avoir les 15k points de vie qu'il lui faut pour le géant. Vitesse, taux de critique, précision, et t'es bien, hein. T'as besoin de 75 de chaque côté, 75 de taux de critique, 75, 85 de taux de critique, 85 de précision. Vu qu'il est haut, le géant, ça te met à 100%. Shannon, Hathor, Mav, tout ça c'est de... Bon, Hathor et Mav, c'est des très bons monstres pour la TOA, TOA Hard, mais ça viendra plus tard, hein. C'est pas franchement urgent pour le moment. Un petit croix, croix, croix. Une petite Isabelle. Attaque, dégâts, critique, attaque. Ok. Pourquoi pas? Très bien. Et une colline. Très, très important, colline. Bon, bah écoute, c'est très bien. Tu m'as demandé... Hop, de te garder les Harg, d'ailleurs. Pour foutre, j'imagine, ton petit croix. Qu'est-ce que ça donne en arène? Ok, Fighter 2. T'es en période de farm, et bah écoute, tu farmes. Voilà, une petite troll def, c'est ce qu'il faut pour farmer les points de gloire, c'est très bien. Parfait. Ménith, ah, tu m'as laissé le wish, Ménith. Mais Ménith, tu me laisses le wish, mais et vous savez, je ne chope que 10k de mana. Allez, voyons voir. Est-ce que ça serait pas 10k mana? Hein? Je vous l'ai dit. On aurait pu parier, hein. Est-ce qu'un jour je choperai autre chose? Ah là là, seul RN Jesus le sait. Est-ce que tu nous as caché quelque chose là-dedans? Un deuxième Théomars. Ah, dommage. Dommage, dommage. Tu m'as dit que tu voulais... Oh, il y a de la food. Oh, ah oui, il y a de la food. Madame, ne rigole pas sur la food. Et puis il y a... Ouh, waouh. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Il y a de la food, hein. Écoute, je vais te faire un petit peu de place en plus quand même, parce que t'as pas 100 places dans ton stockage, et du coup, on va vite être embêté pour invoquer, hein. Tchac, tchac, tchac. Il est où? Il est là, le petit cercle. Surtout que, voilà, tu as 4 légendaires, tu as 6 light and dark, les... Oh, 12 feux. Ah oui, tu m'as dit que tu voulais verder roi, du coup, t'as pris du feu, hein. 201 mystique. Oh my god, avec seulement 80 places dans ton stockage. Ah non, mais ça, c'est dur. Très honnêtement, t'as 5 millions de mana. Je crois que je vais quand même me permettre de passer ton stockage à 100. Parce que sinon, ça va être trop court, là. Tu te rends compte? Il va falloir que je restocke 5 fois tes monstres. Oh là là. 80 places, c'est pas la vraie vie. Et surtout que ça coûte pas si cher que ça. Allez. On va te dépenser un petit peu d'argent. Mais on va passer ton stockage à 100. C'est super important pour les summons. Hein. Sinon, c'est trop compliqué. Voilà. Puis surtout que, hein, madame ne plaisante pas. Madame est riche. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Ménith. On y va pour les Vénins Mystiques. Ah ouais, il y aura aussi un peu de pierre et un Ifrit. Bon, t'as Théomars. Donc, du coup, maintenant, sur les Ifrit, t'es quand même plus détendu, hein. Oh, un petit serpent assez intéressant. Hein. Tu me parles du dragon, hop, premier monstre, Hermeda. Voilà. Voilà un monstre qui est pas mal pour le dragon. Hop. Allez, on accélère un petit peu. Bon, il est pas mal, mais honnêtement, le haut, ou encore mieux, le Dark Mantura serait tellement bien. C'est un de tes souhaits d'ailleurs, hein. C'est dans ta wishlist Mantura. Oh, un petit Ravity. Alors, tu m'as dit de garder les Harg. Pour le coup, celui-là, on va le garder. C'est un 4 étoiles. Ils sont mignons, ces petits Harg. Ils sont mignons. Ils sont pas énormément joués, effectivement. Mais, bon, voilà, quoi. Allez, c'est parti. On accélère un petit peu, parce qu'il y a quand même 200 vélins. Alors, wouh.
200 vélins, tu sais que statistiquement, c'est le nombre de vélins qu'il faut pour que, entre guillemets, les chances d'avoir un 5 étoiles se rapprochent de 1. Pourquoi ? Parce que on a 0,5% de chance de choper un 5 étoiles sur un vélin mystique. Du coup, voilà, pour que. Donc, du coup, logiquement, il faut 200 vélins pour que la courbe se rapproche de 1. Après, ça reste qu'une probabilité, donc. Tu pourrais aussi très bien en ouvrir 1000 sans en avoir. Un petit Malaka, sympathique. Sympathique Malaka pour une team bomber, pourquoi pas. Ça se garde, hein, ça se garde. Oh, deux étincelles coup sur coup, ça j'adore. Un petit Susano. Ah, c'est dommage, c'est du farmable. Mais. Enfin, c'est du farmable. Non, c'est du fusionnable, plus précisément. Et ça reste intéressant, hein. Très honnêtement, depuis que le skill 2 des ninjas scale sur la vitesse, c'est devenu très intéressant, hein. Ça a un leader skill de 30% pour les monstres d'eau. Du coup, et derrière, vous chopez Wayne. Ah, c'est magnifique. Susano, Galion, Wayne, Théomars. Et voilà, tu as une team pas tout à fait free-to-play. Parce qu'il faut quand même Galion, hein. Mais en tout cas, t'as une team qui peut faire très 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 mal, hein. T'as un boost ATB de 30%, hein, qui est quasiment aussi bien de Bernard, à un point près de vitesse. T'as un leader skill de 30% et t'as un Théomars. D'accord, c'est dommage, c'est pas la bonne couleur. Ah là là, tu veux tellement verder, et t'as raison, hein. T'as raison, il est tellement important, mais c'est pas bon, là. Désolé, c'est pas la bonne couleur, hein. Allez, on continue. Un petit Adrian, c'est pas mal. Tu l'as déjà, ça servira de skill up. Allez, allez. Ah, un petit Juan. Pas terrible. Ah, un serpent d'eau. Ouh, j'ai cliqué. Je suis allé un peu vite. Une petite Akasis. Akasis, ça peut être sympa si tu la chopes avant de farmer le géant B10. Parce que dans une première team géant B10, franchement, elle fait le café. Après, c'est un petit peu plus difficile de lui trouver une place. Un petit Taoïs feu. Voilà, un petit Arg, très bien. Tu veux des Arg, hein, pour skill up ton... Hey, tu vois, on est déjà plein, quoi. On est déjà plein, donc imagine si j'avais pas pris les 20 places de plus. Ça aurait été vite compliqué. Allez, il y a plein de places dans ton stockage, et ça, par contre, c'est très très bien. On te met tout ça de côté. Des petits serpents. Oups. Oui, je vous disais, hein, franchement, une team full haut, ça peut le faire en arène. Hein. Alors, il nous reste 145 vélins. Allez, 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 on a eu un vampire, mais c'était pas le bon. Donc... On continue, on veut verder, hein. on veut ouah, comme tu nous l'as demandé. Ouais, c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu m'as demandé? T'étais pas très difficile, en fait, tu m'as pas demandé grand-chose. Tu m'as dit de ne pas foutre les Harg, tu m'as dit de regarder pour ta team GB10, on a fait, et de t'invoquer ouah et verder. Bah écoute, j'espère, hein. J'espère parce que franchement, au début c'est ça, au début on prend des vélins, pour choper ces monstres clés, hein, ces monstres qui sont très importants pour la progression. Et puis ensuite, une fois qu'on les a, voilà, on dépense ces cristaux en refile. Emma, c'est sympa. C'est intéressant, mais tu as Lisa, qui est très très bien aussi. Hein. On est parti, on continue. Allez, allez, on se décourage pas, on veut verder, on veut oua, c'est quand même pas trop demandé. On est bientôt à la moitié de la semaine. Ah là 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 là. Sur les Light and Dark, tu m'as dit que tu voulais Jultan Eshir. Bon bah voilà, hein, Jultan Eshir, Mantura, c'est... Voilà, Jultan Eshir, Mantura, Basalt, c'est les bons 3 étoiles Light and Dark. Hein, c'est ceux qu'on veut absolument. Ils sont vraiment tellement bien. Aïe aïe aïe, ça ne veut pas, hein. Un petit Thomas. Mais c'est pas ça qu'on veut. Megan. Megan Awake, ouais. Bon, ça reste un très bon monstre, hein. Très honnêtement, c'est un très 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 bon monstre. Mais on veut verder, quoi. On veut verder, on veut ouah, quoi. Ou on veut en 5 pattes. Voilà. On passe commande, allez-y, comme tout us, c'est pour faire plaisir à madame. D'ailleurs,
On dit souvent que les contes de femmes ont plus de chance. On va voir. Why? Ok. Ok. Pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Un boost ATB... Un boost attaque qui heal en même temps. C'est pas très courant. Très honnêtement... Surtout... Enfin, sur un knucker, j'entends. Hein. Mais bon, voilà. Allez, on continue. Hop, hop, hop. On se décourage pas. Ah, tu m'as dit que tu voulais pas que je foute les prêtres épicions aussi. J'ai pas vu pourquoi. Peut-être que ta Chloé n'est pas full skill. Ou alors, à tout moment, tu nous as caché une Yona. Non, mais je pense que c'est ta... Je pense que c'est ta Chloé, parce que si t'avais Yona, je l'aurais vu en gros tout en haut de ton compte. Alors. Non. Allez, on skip un peu, on va accélérer, histoire de faire chauffer un peu de... ce Stonehenge. Ah, coupé en plein élan! Allons! Bon, on n'a pas vu de 5 nattes là, hein. C'est un peu triste. On n'a pas vu de 5 nattes. On n'a pas vu beaucoup de 4 étoiles non plus, j'ai l'impression, hein. Je sais pas si c'est moi, mais... Ah, si, quand même. Non, si, quand même. C'est moi. Je vois jamais assez d'étincelles, en fait. On a fait la moitié des vélins. Ah, super. On commence direct par des étincelles. Ah! C'est le Anubis qui me plaît le moins, celui-là, hein. Le feu est pas inintéressant avec son skill 3, le haut est aussi intéressant, hein. C'est un vrai tueur de perna. Hein. Et en plus, il pose la marque, donc c'est assez sympathique. Mais le vent, je le trouve un peu triste. Hein. On a encore chopé un serpent, du coup je pense qu'on t'a chopé toute la famille serpent là. Hein. Dans le jeu des 7 familles serpents, t'as le haut, le vent, le feu. Hein. Manquerait plus qu'on... Ah, encore un fake. Manquerait plus qu'on te chope le dark. Et là, je crois que tu serais contente. Encore un petit Wayne. Wayne, hein, Wayne, c'est aussi un petit monstre à la mode en ce moment. Avec le up des ninjas, du coup, c'est devenu jouable. Voilà, c'est devenu jouable. Les ninjas, avec leur leader skill et qui scale sur la vitesse. Et le Wayne, qui finalement n'a que un point de vitesse de différence... avec un Bernard, voilà quoi. Ça vous permet d'avoir un boost ATB et un leader skill de 30% avec des monstres finalement intéressants. Encore un fake. Ah, Sharon. Donc pourquoi pas. Allez, on accélère un petit peu. J'en étais à ça tout à l'heure d'ailleurs, avant d'être interrompu par la boxe pleine. Allez, plus vite, t'en fais venir les étincelles. Ah yes. Ah non. Non, c'est pas vrai. On a eu le vent et maintenant on a le haut, mais... On tourne autour. Verdé, il est pas loin, hein. Il va finir par tomber, je te le dis, hein. Ah là là. Dommage, purée, 2 vampires, 2 fois pas la bonne couleur, c'est frustrant. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue, on se désespère pas. Il paraît que les comptes de filles ont plus de chance. Pour l'instant, honnêtement, je suis pas convaincu, hein. Ah, encore un fake. Il y aura eu pas mal de fakes quand même sur cette semaine. Je crois qu'on en est au 3ème, au 4ème là déjà. Allez, petit dernier, avant de refaire un tour au stockage. Hop, voilà, allez. C'est reparti pour un petit tour de stockage. Bon, Verdé dans les pierres, hein. Verdé dans les pierres, donc on désespère pas, il y a encore moyen de le choper, hein. Hop. Voilà. Oh, j'ai oublié de te ramasser ça. Allez. Verdé dans les pierres, et tu as aussi mis de côté un bon paquet de vélins de feu, donc encore un serpent. Ah, c'est bon signe, hein. C'est bon signe, on voit plein de serpents là, je sens le Mantura sur un Light and Dark, hein. Ça serait quand même pas mal. Des petits Inuyami, là, des petits loups, on s'en fiche. Ah, mais celui-là, c'est le Ramadam qu'on a chopé direct Wake. Encore un Inuyami, bah décidément. Ah, mais encore. Mais c'est pas possible, c'est un chenil, quoi. On invoque un chenil, aujourd'hui. Et une Lichefeu. Antares. Voilà. Non. Autant, très honnêtement, La liche vent Fuko est jouable, et même sympathique.
la liche haut est devenue très 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 bien en écro, autant Antares, c'est un peu triste, hein. Bon, et puis le top du top, ça reste quand même la liche d'arc, hein, Grégo, qui est, elle, vraiment très très forte, hein. Allez, 25 vélins, là, sortez-nous un Verdéhil, quoi. Allez, un petit effort, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Come to us. Allez. Ah, ça veut pas. Ça ne veut pas. Allez. Allez, faites quelque chose. Non. Non, non, non. Allez, une dernière étincelle. Ah ouais, sur 14 vélins, il y a intérêt, ouais, qu'il y ait une dernière étincelle. C'est quand même pas trop demandé. Ouais, c'est une légende, hein, que les comtes de filles ont plus de chance, franchement. J'y crois pas trop, hein. Alors, par contre, je pense qu'on va être obligé de te faire un petit peu de foot, parce que... Parce que je sens qu'on va être un peu coincé, sinon combien il nous reste d'invoqués, hein. Il nous reste une vingtaine de places. Ouais, ça va pas suffire. Allez, je vais te faire un peu de food. On va se prendre des 25. Voilà. On va se prendre quelques 25. On t'a invoqué tout un chenil, là. Alors, je pense qu'on va te foutre quelques Inugami. Ça, ça se food à tout moment. Ça aussi, hop. Tu m'as dit que tu voulais garder les Hargs et les Prêtresses Épicions. Très bien, on va faire ça. Et puis en attendant, on va te food un petit peu tout ça. Hop. Tchac, tchac, tchac. Ça aussi, ça se food volontiers. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais, puis je crois qu'on va être gentiment, gentiment bien ensuite pour la place, hein. Voilà, allez, je pense qu'on est bon. On va se remettre tout ça dans le stockage. Voilà. Hop, allons. Oups. J'ai vu trop gros là. Allez. Ok, là, je pense que c'est bon. On va pouvoir finir cette fois-ci. Alors, il nous reste 9... Ah, voilà, j'allais dire une dernière étincelle. Isaria. Ah. Bon, un petit leader skill intéressant, mais à part ça, c'est pas Verdé, c'est pas Wa, quoi. Ah, yes. Ça, c'est bon. Ah. Un petit Orochi. Bon, sympathique. Mais quand tu farmes déjà le géant B10, ouais, ça vient juste un peu trop tard. C'est dommage. Allez. Bon, il y a les vélins élémentaires, et là, il y en a un paquet. Donc, on va se garder les feux. Dommage, encore un fake. On va se garder les feux pour la fin, puisque tu veux Wa et... Hops, et Verdé. Allons-y, c'est parti. Birman, non. Requin, non. Marché magique non plus. Non. Un petit sat, mais non. Ah, un petit arc. Ça, c'est intéressant, hein. Tu veux les garder pour food sur ton croix. Encore un sat. Oh là là, me dites pas qu'on va pas avoir d'étincelle, quoi. Allez, non, mais sur tous ces vélins, pas une étincelle. Ah là là, c'est moche, c'est moche. C'est moche, un petit Randy. Qui a été en SD il y a pas longtemps. Bon, allez, on va sur les pierres. Et on va être obligé de refaire un petit peu de food, hein, parce que je crois que finalement j'en ai pas fait assez. Ah, yes, Verdé là. Verdé. Ah non. Ah non. Sous. Et en plus, c'est pas la bonne couleur. Décidément, aujourd'hui, c'est jamais la bonne couleur, quoi. C'est les bons monstres, mais c'est pas la bonne couleur. Allez, 4 là. Allez, petit Verdé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. Non. Non. Non, comme tout ça dit non, hein.
Ah là là. Ah, c'est dommage. On a tellement tourné autour, quoi. Sérieusement, avec les Verdés et les... Et la Rakshasa. Mais non, mais c'est pas ça. Alors, je vais aller reprendre un peu... Oups, clac, clac, clac. Parce qu'il nous reste les Light and Dark, les Légendaires... Et... Le... Petit Théomars à la fin. Enfin, le petit Théomars, non. Théomars. Le petit Ifrit à la fin. Et peut-être que c'est prémonitoire, mais ça serait dommage quand même, hein. Un petit Tésarion, un petit Akamamir, je pense que ça tirait bien aussi. Alors, pas les Hargues, hein, donc on va pas manger les Hargues. Hop, voilà. Yups. Tchac, tchac, tchac. Allez, un petit dernier. Non, t'as fait remonter déjà. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on est bien. On va pouvoir finir. Bon, allez. Si Light and Dark, on veut Mantura, Jultan et Shir. Allez, allez. On n'a pas eu de 5 étoiles jusque-là, honnêtement. Ah, oh, non. Farmable. Allez. Mantura, Jultan et Shir. C'est quand même pas trop demandé, un 3 étoiles. Ah, Train, c'est pas mal. Train, franchement, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, ça me fait plaisir. C'est un bon 3 étoiles, hein. Honnêtement. C'est un très très bon 3 étoiles, donc c'est bien. Grogo, c'est pas mal non plus. Très honnêtement, c'est vraiment bien aussi en GVG. Donc, c'est pas mal. C'est de bons 3 étoiles. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est... Oh yes! Jultan! Yes! Ça, c'est cool! Ça, c'est super cool. Jultan, waouh! Voilà! Ouh! Enfin, un des monstres que tu m'as demandé, quoi. Ça, c'est sympa. Un petit Jultan, ça, ça fait plaisir. C'était vraiment un des très bons 3 étoiles. Franchement, sur les Light and Dark, pour l'instant... Oh, mais non! Mais c'est complètement la folie, quoi. Jultan et Shir Awake. Voilà, Train. Bon, bah là, ça va, ça va. Ça remonte un peu le moral, franchement, après cette semaine un petit peu difficile. On n'a pas eu le Verdé alors qu'on a eu le vent, le haut. On n'a pas eu Oua alors qu'on a eu la haut. Là, là, ça fait plaisir. Jultan, Eshir, Train, Grogo, waouh. Allez, le dernier. Un petit Mantura et on est content. Allons. Un petit Kuna. Un petit Kuna. Bon, bah, écoutez, pourquoi pas. C'est cool, c'est super cool, je suis super content. On est parti pour les légendaires. Alors là, là, on veut un 5 étoiles. Là, par contre, franchement, on n'a pas été satisfait sur les vélins mystique. Donc il faut se rattraper sur les légendaires. Allez, il en reste 3 là. Allez, 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 c'est parti. Non, bah on aura eu les 3 ninjas par contre, hein. On a eu les 3 couleurs, ça fait plaisir. Allez, là, un 5 étoiles. Sur tous ces légendaires. Non. Non. Allez. Oh là là. Ah, c'est pas vrai, hein, quand ça veut pas. Ouais, franchement, on a été gâtés sur les Light and Dark. Oh, la petite rane, là. On a été gâtés sur les Light and Dark, donc il n'y a rien à dire. On veut, par contre... Allez, un petit Akamamir, ça ferait plaisir. Oh, troisième Théomars, mais non, alors qu'il y en a qui en ont jamais. Je ne crois plus cette légende qui dit que les contes de femmes ont plus de chance. C'est pas possible. Non, je n'y crois pas. Bon, écoute. Si on fait un peu le compte, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On retire les... Ouais, on est bien. On est dans les stats, il n'y a rien à dire. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment tourné autour des monstres que tu voulais, quoi.
On a le vampire d'eau, on a le vampire de vent, on a l'Arakshadado, mais on n'a pas eu ni Wa ni Verde. Par contre, au niveau des 3 étoiles, alors ça, des 4 étoiles, non, au niveau des Light and Dark, là par contre, on est clairement pas déçu. Hein. Voilà, le petit Eshir qui fait bien plaisir, je te le bloque tout de suite pour éviter un accident. Le petit Jultan, hop, très bien aussi, le petit Train, très très bien aussi, hop, et le petit Grogo, très bien aussi. Voilà, bah écoute, voilà, ça fait plaisir, une belle semaine, dommage, hein, dommage pour Verde, dommage pour Roi, et dommage pour les 5 étoiles, Ménith. Écoute, maintenant je vais aller summon pour ton homme et on va bien voir ce que ça donne. Allez, je te rends ton compte, à plus tard, ciao! Bonjour à tous, c'est Mala, vous êtes sur Summoners.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo de Summon, on est sur le compte d'Isoka60. Et voilà, en fait, c'est l'ami de Ménith pour qui j'ai fait la summon juste avant. Alors on va voir lequel des deux aura le plus de chance, c'est un summon contest entre les deux. Pour Ménith, j'avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de chance, hein. Elle m'avait demandé Verde, Wa, Jultan, Eshir, Mantura, on a eu Jultan, Eshir. Bon, 2 sur les 5 qu'elle m'avait commandé, on n'a pas eu de 5 nattes, ça c'est un peu triste parce qu'il y avait quand même une belle summon. On va voir si on fait mieux pour Isoka. Faut savoir qu'Isoka, elle m'a dit que lui, il avait déjà de la chance puisque elle lui avait déjà chopé Ritesh, et Ritesh c'est très très bien. Alors Isoka, on va déjà commencer par faire un petit tour de ton compte. Toi aussi, t'as Théomars, décidément dans la... Décidément, le couple, vous êtes abonné au Théomars. Ouh là là, ça par contre, c'est pas très joli. Il est pas très très rapide. Vitesse, dégâts des critiques, attaque. Ok. Je me demande, honnêtement, si t'aurais pas de meilleurs résultats avec un Fatal ou un Swift que un violent un peu triste comme ça. Hein. Je veux dire, t'as pas beaucoup de points de vie, t'as pas beaucoup d'attaque. Un dégât des critiques qui est pas énorme. Je me demande. Un Raok, un monstre que j'aime bien, qui me fait bien bien rire. Attaque, dégâts des critiques qui attaque. Ok, c'est du classique. C'est pas d'énormes runes encore. Hein. On voit qu'il y a encore un peu de boulot. Le runage est correct. Rien à dire. C'est la qualité des runes qui mérite d'être améliorée. Un petit AK en Despair. Attaque, dégâts des critiques qui attaque. Qui est pas mal, ouais, ok. Évidemment, le Ritesh, que, écoute, honnêtement, il est joli. Ton Ritesh, il est joli, on voit que tu l'as respecté. Au niveau des points de vie, c'est bien. Franchement, c'est bien. Taux de critique, dégâts des critiques, précision, c'est bien. Le seul truc qui pêche, c'est la vitesse, et ça, c'est dommage. Mais sinon, à part ça, honnêtement, il est tout à fait correct. Il est tout à fait correct, et en plus, il a un set Revenge, que j'adore sur ce monstre. Donc, non, franchement, pas grand-chose à dire. Là, il y a juste la vitesse qui pêche. Un petit Bella. Ok, correct. Qui est en violent, d'accord. Qui est juste un peu limite. Hein. Tu vois, il est un peu limite en point de vie, un peu limite en vitesse. Mais il est en violent. D'accord. Un petit Véromos. D'accord, un peu pareil, un peu limite, mais voilà, c'est un premier runage violent, j'imagine. Vigor, pourquoi pas, hein, pourquoi pas Vigor en DB10 pour une première team. Très très bien. Megan, qui est pas très rapide. Ouais, pas très très rapide, et c'est dommage. Un petit refroidissement qui peut être pas mal aussi, hein, en GB10, en DB10. Un petit Sigma runé. Point de vie, attaque, un runage un peu particulier. Sigma, c'est particulier aussi, hein, parce que c'est un monstre qui est vraiment très très fort, mais qui nécessite des runes un peu late game. Donc c'est pas une fusion que je conseille au début. Au début, faites Véromos, ça c'est très important, le reste peut attendre un petit peu. Très honnêtement, ne faites pas Kata tant que vous n'avez pas ou Chloé ou Kebab. Et puis Sigma, ça peut attendre aussi un petit peu parce que c'est tellement gourmand en runes que souvent, bah, au début, on est content, on l'a, mais on peut pas s'en servir parce qu'on n'arrive pas à le runer assez costaud. Ok, Shaylock, très honnêtement, pourquoi pas, hein, depuis le up des serpents, c'est devenu assez intéressant, hein, pourquoi pas en Dragon B10, hein, une première team avec Shaylock, ça ne me choque pas, ça strip, ça scale sur les points de vie, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas.
Voilà, réducteur de jauge d'attaque. Bon, il n'y a pas de slow, c'est dommage, parce que Mantura, lui, a un slow. Bon, voilà. Alors, un petit Randy qui attend son Copper. Ah non, il est là. Randy Copper, très bien, hein, le bon petit duo qui fait plaisir. Maintenant, il y a Imesetti qui est passé en Hall of Hero. Donc, il y a Randy qui est passé en SD, Imesetti qui est passé en Hall of Hero. Donc, très honnêtement, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas pouvoir jouer ou l'un ou l'autre en GVG. Un petit Spectra qui est sympa. Qui est sympa, en point de vie. Donc, un Spectra plutôt, plutôt support que Knucker. Un Antares, bon... Ouais. Xionfei, c'est très bien aussi, mais c'est pareil, c'est un peu plus tard, hein, c'est pour le raid. Fumé, très bien pour le nécro. Wai, pourquoi pas pour le nécro. Colin, Shannon, bah ça c'est du classique, hein, vous le savez, on n'en reparle pas, elle a 15k points de vie, elle est prête pour le GB10. Namib, je ne sais pas pourquoi. Un petit Bernard, un petit cuivre. Un runage un peu ok, au niveau des stats, ah c'est pas ça. Bon, il y a encore du boulot, c'est pas grave, très honnêtement, c'est pas la priorité. Au début, tu le sais, la priorité, c'est GB10. Une fois que t'as ton GB10, tu farmes, et tu prépares ton DB10. Hop, ça, oh, ça c'est très bien pour Théora plus tard, mais ça c'est très bien pour le GVG aussi plus tard, hein. Attaque des critiques, attaque, elle n'est pas encore prête encore, mais avec un break def AOE, ça fait des ravages. Ouh, le Mantura, quoi. Oh, monsieur a été gâté, et sur le 5 étoiles, puisqu'il a eu Ritesh, mais il a eu Grogo, il a eu Mantura, il a eu Basalt. Oh, joli. Très, très, très joli. T'as une très jolie collection, là. C'est pas mal. Et il a son break def AOE avec Kuna. Eh, honnêtement, pourquoi pas, hein. Honnêtement, pourquoi pas. Très bien, très très bien. Ah, toi non plus, t'as pas monté ta box à 100. On va peut-être le faire selon tes moyens. Oh bah oui, monsieur a les moyens. Puisque je pense que tu as encore une belle grosse semaine à faire. Oups. Alors, voyons voir avec tout ça, qu'est-ce que ça donne en arène. Ok, Fighter 1, c'est pareil. Tu es en farm de points, tu as bien raison, à ton niveau de jeu. Voilà, on se met en troll def et on farm les points. T'as tout à fait raison, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on a là? On n'a rien. Est-ce que tu m'as laissé le wish toi aussi pour que je te chope 10k mana comme Amenit? Allez, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Amenit a eu 10k mana. Tu auras aussi 10k mana. C'est comme ça. Je le sens. Je le prédis. Mais là, il y a... Ah non, ça sera 5 invitations d'arène. Bah écoute, voilà. Hein, ça fait des points. Ça fait des points pour ton Devilmon de lundi. Alors, maintenant... Voyons voir la summon, mais je pense que ça doit être aussi une belle grosse summon. On a 3 légendaires, on a 6 Light and Dark, on a aussi un paquet de vélins de feu. Hein. Décidément, les deux, vous voulez verder ou A. Je suis navré, je les ai pas chopés pour Menit. Je vais essayer de faire mieux pour toi. 201 Mystique, les exclusives et l'Ifrit. Tout pareil. Et 2 summons exactement pareil. On va pouvoir comparer, hein. On va vraiment comparer. Pour Menit, j'étais bien dans les stats au niveau des 4 étoiles, donc rien à dire. Par contre, voilà, on n'a pas eu Verde, on n'a pas eu Wa, on a eu Eshir et Jultan qui lui manquaient. Toi, tu as déjà Mantura, tu as déjà Grogo, que j'ai chopé pour elle d'ailleurs. Tu as déjà Basalt, donc au niveau des Light and Dark, tu vas être plus exigeant. Hein. Mais écoute, oups, non, c'est pas le bon... On va bien voir. Et puis, si je te chope un petit 5 étoiles, ça sera parfait. Allez, on est parti pour les vélins mystiques. Allez, hop. On est... Oh, direct des étincelles. Une petite Wai... Miyang. Pourquoi pas, très honnêtement, en raid, pourquoi pas. Mais c'est quand même vraiment plutôt du late game, donc je te conseille de la mettre de côté. Tu verras plus tard. Quand tu feras du speed raid... Du speed raid 5, pourquoi pas, parce que un fake, décidément, ça commence bien. Elle fait un petit peu de cleanse, elle booste la TB, elle heal en scalant sur l'attaque, donc du coup, ça peut être pas mal. Oh là là, tellement d'étincelles dès le début, là. Lumiricia, ok. Donc pourquoi pas, ça se joue, hein, mais très honnêtement, c'est pas à l'ordre du jour pour toi. Hein.
Lumericia, bah voilà, hein, j'en parle à chaque fois que je la vois. J'ai l'impression de la voir beaucoup d'ailleurs. Mais bon. C'est pour tuer des pernas, pourquoi pas, avec son reset CD. Mais son heal, hein, bien qu'il soit passé à 4 tours, un full heal, sensible à l'anti-heal, c'est un peu... Ouais, c'est un peu dommage. Oh, ça c'est bien par contre. Ça c'est bien, kebab du chef, très très bien, tu n'attendais que ça pour faire la fusion de Katarina. Et ben voilà, maintenant tu l'as. Oh là là, mais les étincelles, c'est pas possible. Oh, allez, ça c'est pas mal non plus, mais c'est pareil, peut-être plus late game pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais ça se garde, très honnêtement. Oh là là, et alors là c'est parti, j'accélère parce qu'il y a tellement d'étincelles sur cette semaine, on veut pas perdre le bon feeling, là on sent, on a le mojo, on a l'énergie qui est là. Je la sens bien partie cette semaine pour battre Ménith. Hein. Décidément, la légende urbaine qui dit que les filles ont plus de chance. Par contre, au niveau des ninjas, vous êtes pareil. Hein. Pour Ménith, j'ai chopé tous les ninjas. Mais je dis bien tous. Hein. Le vent, le haut, le feu. Voilà, ça c'est fait. Toi, t'as déjà le haut. Alors hop, on va voir si on fait aussi bien. Allez, on continue, c'est parti. Ah! Ça se calme, mais vite, j'accélère, je veux pas perdre le feeling, je veux pas perdre l'énergie qui est là. Allez, venez les petits 4 étoiles, soyez pas timides. Allez, regardez, il est beau, il est chaud, ce cercle d'invocation, là. On vous l'a bien préparé, on l'a bien nettoyé, il est tout beau, il brille, il est lustré. Allez, non. On a eu toute une série d'étincelles, et là, ça ne veut plus. Allez, il nous en reste 5 avant de passer par la case stockage, sans gagner 20 000 cristaux. Non. D'ailleurs, j'ai même pas vu si t'avais des choses dans ton stockage. Ah, Konamiya, très bien. Ah, zut! Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un kebab, mais non. Non, c'était pas kebab. Hop. Bah du coup, c'est bien, hein. Franchement, kebab, c'est très bien. Hein. Avec Katarina, ça fait carrément le café. Ouh, par contre, j'espère qu'on aura assez de place, parce que pour Ménith avait plus de place, je crois. On va être obligé de te faire un petit peu de food. Hein. Dans son petit message, elle m'a dit qu'il ne fallait pas food pour toi, les taoïstes. Les taoïstes, qu'est-ce que tu m'as dit? Les loups-garous, les elfes patrouilleurs, les sorcières mystiques. Oui, au début, évidemment, hein, dans vos summons, la moitié des monstres que vous allez choper, ça va partir en skill-up. Hein. Ah, un fake. Ça, par contre, elle a eu beaucoup de fakes, et je crois que... Toi, t'es bien parti aussi, là. J'ai pas fait gaffe si j'en avais chopé, en fait, pour l'instant. Ah, voilà, du loup-garou, hein. Je pense que c'est pour de la food, évidemment. Allez, des étincelles, là. Ah, Kaz, c'est dommage. Quand on a déjà Théomars, voilà. Avant Théomars, c'était un excellent Nekurao, hein, qui était vraiment bien joué en arène. Maintenant, c'est un peu fini parce que, bah voilà, Théomars est tellement au-dessus. Petite Rina, un petit serpent pour foutre le Mantura. Hein ? Bon, les serpents, ça se forme en SD aussi, hein, donc c'est pas trop grave, ça. Hop. Oh, yes ! Yes ! Non. Oh. C'est triste, ces étincelles. On est bientôt à la moitié de la semaine. Allez, bon, on accélère. Allez, c'est décidé, on accélère un petit peu. On va refaire chauffer ce Stonehenge, faire revenir les étincelles. Ah, yes! Allez. Énergie! Oh, mais non, mais... Elle, c'était les ninjas, toi, c'est les samouraïs. Bah voilà, écoute, Kaito. Un samouraï intéressant. Mais encore une fois, ça se joue plus trop. C'est un peu fini. Oh, encore un fake, décidément. Je sais plus combien elle a eu de fake, Ménith.
Au moins 3 ou 4, hein. Bon. Allez, on a fait la moitié de la semaine. Oh, là 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 là. Toi, par contre, t'as vraiment de la chance sur les étincelles, hein. Y a quand même pas à dire... Ah ! Un doublon. Ok, Anubis feu. Bon. Ouais. Ouais. C'est quand même pour bien plus tard, hein. Je l'ai jamais testé, hein, mais j'ai juste l'impression que son skill 3 peut vraiment être intéressant, hein. Ils ont doublé l'effet de heal, donc... Ouais, ça me semble sympa. Après, j'ai pas testé. Alors, deuxième arrêt au stockage. Hop, on te met tout ça là-dedans. J'espère qu'on n'aura pas à faire de food. On verra bien. Il reste une quarantaine de places. Si, si, hein, je crois qu'on va être obligé de passer par la case food. Hein. Et même assez sérieusement, puisque tu... Il te reste encore 90 mystiques quasiment. Donc bah du coup, on fera du food. On fera du food et puis bah va falloir faire attention à ce que je food, parce que alors vous le savez, moi quand je food, je regarde pas toujours. Je m'emporte. Alors on fera gaffe. Ah, tracteur. Tracteur c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal et ça se joue assez volontiers contre les teams genre Galion Zeros, hein. Parce que immunisé au break def, monstre d'eau, donc du coup, voilà quoi. Du coup, le Zeros, il va en faire qu'une bouchée, quoi. Ah, encore. C'est un triplon. Après le doublon, c'est le triplon, et voilà. Mais, cette chance que t'as sur les étincelles quand même. C'est pas les bons monstres, hein. C'est pas les bons monstres, c'est dommage, hein. On veut Wa, on veut Verdé. Ah, une sorcière mystique pour du food, super. Mais un loup-garou pour du food, très bien. Ouais, hein, c'est pas les bons monstres, hein. T'as beaucoup d'étincelles, mais ça tombe pas juste, hein. On vise assez mal, hein, aujourd'hui. Ah, non, dommage. Carac. Captain Pirate Feu. Mais c'est pas vrai, toutes ces étincelles, sérieusement! Ah! Ça par contre c'est sympathique, Xiaolin elle est sympa. C'est pareil, c'est peut-être un petit peu plus late game, mais franchement depuis le up, les Kung Fu Girl, et en particulier la O je trouve, est devenue très sympathique. Breakdev sur le skill 1 qui a une chance de rejouer. C'est génial! Parce que c'est un peu comme Raok, hein, qui peut poser un breakdev sur son skill 1 et rejouer derrière. Elle va taper, poser son breakdev, rejouer et bam, envoyer son skill 2. Ça, c'est très sympa. Contre-attaque sur son skill 3. Slow sur son skill 3. Oh! Oh! Ça, c'est beau, mais tu l'as déjà! Tu l'as déjà, hein? Je crois que tu l'as déjà. Tu me l'as pas demandé, c'est que tu l'as déjà. Ah non, tu l'as pas! Tu me l'as pas demandé, mais tu l'as pas! Tu n'as pas Chazun! Ah, alors ça, c'est énorme! Si tu ne l'as pas... Oh là là, c'est énorme. Ah bah super, excellent. Excellent. Et tu me l'as pas demandé, tu me l'as pas mis dans ta liste alors qu'elle est tellement forte. Ah yes, excellent. Bah écoute, Chazun, c'est... Bah voilà, il n'y a rien à dire. C'est un AT5. Hein. Elle est vraiment très 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 forte. Un heal qui booste l'attaque. Voilà, c'est déjà bien. Mais plus son heal... Enfin, son équilibre de points de vie qui fait que c'est pas sensible à l'anti-heal, énorme. C'est vraiment très 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 fort. Ah bah ça c'est cool, mais c'est bizarre que tu me l'aies pas demandé parce que je me suis dit, il doit l'avoir vu qu'il me l'a pas mis dans sa liste. Bon, bah écoute, c'est très bien. C'est quasiment un AT5. Hein. Oh yes, encore des étincelles, mais c'est incroyable, la quantité. Raviti, on l'avait chopé d'ailleurs aussi pour Ménith. On te le chope aussi pour toi. Hop, on est plein. Alors là, par contre, malheureusement, alors il me reste 60 places. Il va falloir que je fasse un petit peu de food avant de finir. Hein. Ouais, c'est ça, il n'y a pas assez de place. Hop.
Voilà, on est plein. Je vais te prendre un peu de food avant de me retrouver coincé. Voilà, je vais te mettre ça de côté. Et puis, on va retourner invoquer. Oh, Chazune, comment c'est cool, franchement. Ça, c'est cool. La semaine est bien partie. Là, très honnêtement, il y a une quantité d'étincelles. Encore un doublon, mais non, mais c'est pas vrai, là. Ça va bien, les doublons. La semaine est vraiment bien partie. Je pense que déjà, en termes d'étincelles, tu la bats. Encore, mais c'est pas possible. Ah non, ça par contre, c'est du farmable, quoi. Enfin, c'est du fusionnable. Oh, petit Jojo. On aurait été bien content avec un Lucien, quoi. Mais Jojo. C'est jamais les bonnes couleurs, hein. C'est dingue, hein. Pour Ménite, c'était pareil. Allez. Allez, allez, un petit Verdé, une petite Oie. Tu me les as demandé, alors j'espère te les choper. Oh là là, encore des étincelles, mais c'est pas vrai. Ah non, alors ça, par contre, ça, ça on va skip tout de suite. Hein. Voilà, j'en parle même pas, hein, Lupinus. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Autant il y a des 4 étoiles qu'on peut considérer comme 5 étoiles, autant il y a des 4 étoiles qu'on pourrait considérer comme 3 étoiles aussi. Hein. Alors, pas mal, Avarice, pas mal du tout. C'est un tueur de perna, hein. C'est un monstre d'eau qui pose une marque et qui empêche de raise sur son skill 3, donc c'est pas mal du tout, mais c'est quand même un peu situationnel, hein. Ça, voilà, que contre les pernas, quoi. Encore un 4 étoiles, un petit Jean, hop, c'est bien au niveau des 4 étoiles, ça, je pense que c'est assez sûr qu'on l'ait battu, Ménite, mais par contre, il n'y a pas de Verdé, il n'y a pas d'Oie. Hein. Ça, c'est pareil qu'elle. Hein. Oh là là, mais la quantité d'étoiles. Mais non. Allez, Imeceti. Bon, tu l'avais bien farmé. T'en as un de plus. Maintenant, par contre, tu vas avoir les 3 Horus, puisque j'ai vu que tu avais déjà le feu en stockage. Tu avais déjà Imeceti que tu avais farmé, et tu as Kebab. Donc maintenant, voilà. Tu as les 3 Horus. Allez, un petit Verdé, s'il vous plaît. Il reste 13 vélins. Faites quelque chose. Allez! Allez! Ah, non. La feu. La feu qui peut être pas mal aussi, de Kung Fu Girl. J'ai une petite préférence pour la haut quand même, mais pourquoi pas. Ok, maintenant, on va être obligé de faire un petit peu de food pour pouvoir invoquer le reste. Alors, je vais bien relire ma liste pour faire de bêtises. Pas faire de bêtises, on ne food pas. Les taoïstes, les loups-garous, les elfes patrouilleurs, les sorcières mystiques. Très bien. Ça va. Ok, alors. Ça va aussi. Hop, voilà. Ah, une sorcière mystique. Attention. ça va aussi. Hop, ça. Je sais pas si les full skill ton. Je sais pas si les full skill ton cuivre. Ah, peut-être, hein. Sinon, tu m'aurais dit de les garder. Allez, hop. Voilà. On s'est fait un peu de place. Quantité de 4 étoiles que je t'ai chopé, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. On s'est fait un peu de place. Est-ce qu'on a de quoi finir? Ouais, non, on n'a pas de quoi finir. Bon, on a déjà de quoi finir les vélins mystiques. On ira rechercher un petit peu de fou d'affaires. Allez, une dernière petite étincelle avec Verdé. Ça me ferait super plaisir. Allez, 3. Allez, 2. Non. C'est un non négatif. Et on finit par Adrien. Ça tombe bien, tu voulais garder les elfes patrouilleurs. Bah écoute, voilà. Allez, on va faire ça. Ah oh ah, doublon Chazune, quoi. Ah
Bon, bah voilà, t'auras eu 2 5 nets dans ta summon. 2 chaises une. Allez. Ouais, super. Bon, on va pas attaquer les feux, on va d'abord se faire un petit peu de food pour pouvoir ensuite tout finir d'invoquer tranquillement. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Et puis on va reprendre un petit peu de food à faire. Voilà. Tchac, tchac, tchac. J'ai mis au stockage ce que tu voulais pas que je foude. Donc du coup, maintenant, on est... Oups. Ah, c'est le petit gros goût qui est... qui est là. Voilà, sur les Light and Dark, t'as déjà eu pas mal de chance, hein, quand même, franchement. Ça va être difficile de te faire plaisir, à moins d'un 4 étoiles. T'as quand même chopé un petit peu... Je crois que t'as pas train encore, hein, j'ai pas vu train. Mais bon, bah voilà, quoi. Pour le reste, t'as été assez gâté, hein. On va pas se plaindre. Allez, une dernière petite food. Voilà. Hop. Et je pense qu'on va être bon pour finir. Voilà. On va remettre ça là-dedans. Voilà. Oh, on va peut-être être encore court. Hein. Allez, on est parti pour les 12 vélins de feu. On veut verder, on veut wa. Allons-y là, allons-y. Come to us. Allez. Je crois que comme Menit, on va pas avoir une seule étincelle sur les éléments, enfin sur les feux. C'est dommage parce que vous en aviez mis plein de côté, hein. Ah, yes, yes. Ah, fausse joie, fausse joie, Clara. Dommage. Bon bah écoute, voilà, t'as eu des étincelles sur le feu, mais c'est pas tombé juste. Allez, on va se faire les pierres parce que dans les pierres il y a Verdé. Du coup, à tout moment, on est satisfait. Hein. Allez, encore 5 invocations. Allez. Des étincelles, là. Allez. Oh, Buldo. Ah non, pas d'étincelles. Il n'y aura pas de Verdé Hill sur ton compte. Hein. Un petit Wayne. Bah, tant pis. On va aller se faire les Light and Dark. Il y en a 6. On va pas encore avoir assez de place. Encore de la food. Alors. Hop, voilà. Alors, on va faire attention de ne pas manger. J'ai vu passer un Taoïs, j'ai vu passer des choses comme ça. Hein. C'est pas le moment de se planter. Voilà. Hop. Tchac. Hop, pas les loups-garous. Pas les loups-garous, pas les taoïstes. J'ai failli ripper, hein. J'ai failli ripper. Voilà, bon, là, cette fois-ci, on est bien, on remet ça de côté. Check. Voilà, faudra pas qu'on se trompe d'ailleurs, parce que maintenant, dans les 4 étoiles, il y a les foot que j'ai fait, pas que je les compte. Hop, tout à l'heure, allez. Allez, allez, allez. Oh. Non. Oh non, le super drop que tu as déjà. Mais décidément, mais c'est incroyable, quoi. Les doublons que tu chopes. Purée, le doublon chasune, ça m'a déjà bien tué. Mais alors là, le doublon basalte, enfin, tu l'as déjà, quoi. Et plus tu le chopes away, quoi. Oh, mais non. Oh non, mais encore un fake 4 étoiles. 2 fakes sur les Light and Dark, quoi.
Oh là 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 là. Allez, encore 4. Me dites pas qu'on a cramé toutes nos chances sur les étincelles là avec ça. Mara, bon. Je crois que tu l'avais déjà en plus. Allez. 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 Un petit Kuna que tu avais aussi déjà. Mais en fait, on chope que des monstres que tu as déjà, quoi. C'est. Non, c'est. Voilà. Ok, ça c'est sympa. Est-ce qu'on peut avoir de vraies étincelles? Non, on ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui, non, c'est pas possible. Un petit Jammy. Ok. Bon, ça aurait été assez surprenant, hein, quand même, à ce niveau-là, parce qu'on a quand même chopé déjà pas mal de monstres que t'avais déjà. Et deux fake 4 étoiles, quoi. Allez, 3 légendaires. Un petit 5 étoiles, là. Un petit 5 étoiles, t'as déjà eu Chazune, donc t'as déjà été très gâté sur cette summon, même si c'est pas exactement ce que tu recherchais, vu que tu m'avais demandé Verdé et Roi. Et remarque, Verdé ou A sur un légendaire... Oh non ! Oh non ! Au moment où je le dis, Verdé sur un légendaire, c'est worse. Oh là là, Verdé ! Bon bah voilà, écoute, désolé Ménith, mais là, je crois qu'Hisoka, il t'a carrément battu. Il a eu Chazune, il a eu Verdé. Voilà, voilà, y a rien à dire, y a rien à dire, c'est lui qui gagne le contest là, hein. Y a même pas besoin de compter les monstres. Excellent, aïe aïe aïe, super, bah, ça vaut un 5 étoiles très honnêtement, en plus tu le voulais, donc y a pas de problème là-dessus, hein. Choper ça sur un légendaire, moi je suis, oh, wouhou, mais non, c'est un doublon, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai cette semaine, on a chopé 2 Chazune, on a chopé 3, 3 quoi, c'était les Anubis Feu, un deuxième Basalt, une deuxième Mara, un deuxième Guerrier Panda, mais c'est pas vrai, c'est la summon spéciale doublon, quoi. Oh non, je suis tellement désolé. Bon, bah voilà, écoute, je sais pas quoi te dire. J'espère que tu me pardonneras parce que je t'ai chopé Verdé quand même, et Chazune, donc. Mais sinon, choper des fusionnables, franchement, comme toi, se fait quelque chose, quoi. Sortez les fusionnables des vélins une fois qu'on a fait la fusion. Ça, c'est plus possible, quoi. Avant qu'on l'ait. D'accord, pourquoi pas. Ça nous évite d'avoir à la faire, ça serait intéressant. Mais une fois qu'on l'a eu, vraiment, c'est assez affreux, quoi. Ça fait mal. Allez, un Ifrit. T'as déjà Théomars, t'as déjà Akamamir. Bah, Tesarion. Bah non, Akamamir. Voilà, c'est la spéciale doublon, hein, donc on te chope que des doublons. C'est comme ça, écoute, je sais pas à quoi tu t'attendais, mais... Oh là 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 là. Alors écoute, t'as eu un 5 nat, donc sur ce coup-là, on a battu Ménith. T'as eu Akamamir que tu avais déjà. Et t'as eu 1, 2, ah non, ça c'est de la food. Ça aussi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà, voilà, au niveau des étoiles, on est mais alors largement, largement au-dessus des stats, hein, c'est incroyable. Et malgré ça, malgré ce taux de drop incroyablement élevé, on a chopé un doublon basalte. Que tu avais donc déjà. Voilà, il est là. On a chopé une Mara que tu avais déjà. On a chopé un Kuna que tu avais déjà. Donc, bah voilà, au niveau des Light and Dark, on n'est pas ultra satisfait quand même. On a chopé Robo. Pourquoi pas Par contre, on a chopé Chazune, quoi. On a chopé Verdé que tu voulais absolument. Donc voilà, on l'a eu. On a la Kung Fu Girl O qui est sympathique pour plus tard. On a Kebab qui est très très bien. Et puis bah voilà quoi. La deuxième panda feu. Bon bah Hisoka. Ah Ménith qui vient de passer. GG Ménith. Ah mais c'est Canal Guild. La pauvre. Bon bah voilà, écoute Hisoka, je te rends ton compte, t'as quand même battu Ménith,
sur le Summon Contest, ça, y a aucun doute. Par contre, désolé. Désolé pour tous ces doublons. En tout cas, j'ai eu Verdé. Ça me fait plaisir, tu me l'avais demandé. Voilà, je te rends ton compte, je te dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao !